Liline a 34 ans, un passé douloureux ainsi qu'un métier difficile la pousse à découvrir son avenir professionnel et sentimental. Bonjour Liline. Bonjour. Vous avez 34 ans ? Oui, j'ai 34 ans. Vous êtes née où ? Au Gabon, à Bakumba. Vous avez grandi là-bas ? J'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 9 ans. Et après, je suis venue en France rejoindre ma mère, qui s'était remariée en fait. En fait, ma mère m'a eu relativement jeune. Et en fait, au Gabon, c'est assez répandu que la famille s'occupe des enfants. De la fille ? Oui. Donc, comme ma mère travaillait, elle a préféré en fait nous confier à sa sœur et à son beau-frère, mon oncle et ma tante, pour qu'on ait en fait un foyer stable. Donc voilà, j'ai été élevée par mon oncle et ma tante jusqu'à l'âge de 9 ans. Dès la naissance ? Pratiquement, oui. Oui, pratiquement. Donc vous avez ouvert vos yeux sur votre tante et votre oncle ? Oui, oui, oui. Vous les considérez donc comme vos parents ? Oui, oui, oui. Oui. Et votre papa dans tout ça ? Mon papa, j'ai aucun contact en fait avec mon père biologique. Vous n'avez pas envie de savoir qui c'est ? Peut-être qu'un jour j'aurai le besoin de justement, comme on dit, chercher ses racines, mais pour l'instant j'en trouve pas. Enfin, je n'ai pas vraiment la nécessité de. J'ai pas de manque. Donc, d'accord. Parce que j'ai toujours une figure paternelle, donc pour l'instant, j'en ai pas le besoin. Donc, 9 ans, vous arrivez en France ? Où ça, à Paris ? Non, à Vienne, à côté de Lyon. D'accord. Oui. Et donc, votre maman vous récupère ? Oui, le choc, parce que je suis arrivée fin août, début septembre. Oui. Bah, déjà. Moi, au Gabon, en fait, je vivais dans, comment on dit, la combrousse, quoi, vraiment à la campagne. Oui. Il n'y avait pas, comment dire, l'eau courante. Enfin, c'était vraiment pas assez rudimentaire, mais. Oui. Donc, je découvre ce que c'est que prendre le bus ou des escalators. Donc, c'était vraiment le choc des cultures. Ça a dû être extraordinaire à 10 ans, 9 ans. Extraordinaire et assez difficile aussi. Ça a dû être dur. Ah, parce que vous avez quitté votre oncle et votre tante. C'est comme si vous aviez quitté vos parents. Tout à fait. Oui, je vous vois avec les yeux tout rouges, là. Elle sourit, mais les yeux tout rouges. Donc aujourd'hui, vous vivez où ? Aujourd'hui, je suis parisienne depuis une dizaine d'années. Oui. Parce que je travaille dans le prêt-à-porter. Oui. Enfin, je suis modéliste. En général, j'aime ce que je fais. J'ai toujours voulu faire ça, donc il n'y a pas de souci. Vous souhaitez changer de voie par la suite ? J'aimerais bien un jour travailler à mon compte. Et les amours dans tout ça ? Ouais, les amours, c'est compliqué. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, ça n'a jamais été trop ça, en fait. Donc, en ce moment, je ne vais pas dire que je suis seule, mais bon. Je ne suis pas non plus en couple, donc... Vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas en France ? Je suis... Enfin, oui. Qui vit à l'étranger, qui travaille à l'étranger, donc on se voit de temps en temps. Voilà. Mais sinon, pour l'instant, rien de très sérieux. Quel est votre rêve, Liline ? Mon rêve ? Est-ce que vous en avez un ? Comme tout le monde, fonder une famille, je sais pas, moi je suis très famille, donc voilà. Quelles questions voulez-vous poser à notre médium aujourd'hui ? Ce serait plus au niveau sentimental et professionnel. Oui. Voir ce que l'avenir me réserve en fait. D'accord. Il va falloir que j'attende encore longtemps pour le trouver. Le fameux grand amour ou voilà. Liline, j'espère que notre médium va répondre à toutes vos questions. Je vous le souhaite. Et ici on a une expression. L'avenir nous le dira. Oui, j'espère. En tout cas. Je vous laisse y aller. Merci. Au revoir. Merci, Liline. Au revoir. Bonjour. Venez. Installez-vous. Bonjour. Bonjour. Je vais vous demander de jurer qu'on ne se connaît pas. Je jure qu'on ne se connaît pas. D'accord, merci. Et votre prénom ? Liline, L-I-L-I-N-E. C'est original, hein ?
C'est votre prénom, c'est pas un diminutif. C'est mon prénom. Oui. D'accord. Ah, vous avez un rire amusant. Je vous entends. Vous riez beaucoup. Oui, j'aime bien rire. Oui, oui, vous riez beaucoup. Faut pas être inquiète, on me dit. Soyez pas inquiète. J'ai tendance à être un peu inquiète. Oui. C'est vrai. Oui, oui, on me dit ça. Je suis quelqu'un d'un peu anxieux. Vous avez pleuré, Liline. Je vous vois, en fait, couchée. La tête, comme ça, sur un coussin ou oreiller. Non, c'est un coussin, plutôt. Les yeux sont larmoyants. J'ai eu la larme facile. Je pleure facilement. C'est comme si vous aviez quitté vos parents. Tout à fait. Oui, je vous vois avec les yeux tout rouges, là. Elle sourit, mais les yeux tout rouges. Vous y pensez. Ouh là là. J'ai la larme facile, alors. Oui, je le sens. Ça va aller? Oui, ça va aller. Les choses, au niveau familial, c'est pas facile. On peut arriver à tout gérer, c'est compliqué. Et vous pouvez rien faire, hein, vous. Hein. Je vous le dis de suite, comme ça va vite régler les choses. Enfin, si ça pouvait être aussi rapide que ça. Vous ne pouvez pas faire. On dit que vous voudriez que la vie ne change jamais. Que, comment dire, que ce soit toujours agréable, toujours doux. Peur de d'affronter des choses difficiles, des coups qui marquent. Il y en a assez, il y en a déjà eu assez. Et maintenant, vous n'êtes... On ne peut pas gérer ça, on ne peut plus gérer ça. Alors, donnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, 16 avril 1974. Merci. Je ne sais pas, peut-être. Je ne sais pas trop sur quel pied danser, c'est dans la vie sentimentale, affectif. Tiens, mon doigt, il tourne en rond. Vous aussi, vous tournez en rond, c'est exactement ça. Et après, vous vous en voulez, bien sûr. On parle même de colère, vous n'êtes pas contente après vous. Il faut vous lancer. C'est drôle, on n'a pas ce problème au niveau professionnel. Hein. Non, parce que en général, je sais ce que je veux. Ouais, vous gérez parfaitement, même assez. On dit assez carré, c'est assez droit, assez tranché, on me dit. Oui. La timidité au niveau sentimental, ça vous mange une bonne partie quand même de votre vie. Hein. Il y avait un là qui est pas loin là. Hein? Un jeune homme. Dans les alentours. C'est pas le bon. Pardon? Ce n'est pas le bon. C'est pas le bon? Non. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Regardons le personnage en face. Vous savez très bien que c'est pas ça. On est d'accord? Oui. En ce moment, je ne vais pas dire que je suis seule, mais bon, je ne suis pas non plus en couple. Donc, Vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas en France? Je suis... Enfin, oui. Qui vit à l'étranger, qui travaille à l'étranger. Donc on se voit de temps en temps. Voilà. Je veux que vous arriviez à le dire tout haut pour vous-même, pas pour moi bien sûr, parce que moi je le sais, parce que je le vois, mais c'est pour vous, pour que vous arriviez à prendre vraiment confiance en vous. Et on n'a pas, merci, nous n'avons pas raté, nous n'avons rien raté, du tout. Ça va venir, d'accord? Il ne faut pas se mettre le masque devant les yeux, parce que si on se met le masque aujourd'hui devant la vue, c'est vous qui en souffrirez dans 5 ans, 6 ans. C'est dommage. Il vaut mieux patienter encore un tout petit peu et puis prendre la lumière de plein fouet, c'est quand même le bonheur. Bon, il va falloir reprendre son souffle. Il faut reprendre son souffle, il faut un petit peu vous reposer, vous occuper un peu plus de vous, parce que l'année prochaine est une année où
où on a déjà un petit peu de surmenage et de fatigue. Si vous cumulez dès maintenant, à peine à la fin de l'automne prochain, vous serez à genoux. C'est pas la peine. On fait ce qu'il faut, d'accord? Réaménagement, vous allez refaire les choses chez vous. Des petites transformations, des petits changements, mais surtout des couleurs. Ouais. En fait, ce qu'on voudrait, c'est un déménagement. Dans l'idéal? Dans l'idéal, un an et demi. Donc avant, on va refaire un petit peu des petites choses comme ça. Mais un an et demi, le déménagement, sortie pour le déménagement. Vous savez, ce côté un petit peu angoissé, un petit peu comme ça, inquiète. Il faut vous en débarrasser absolument. Il faut faire absolument un travail par rapport à ça pour que vous puissiez un petit peu, ils me disent, prendre le large, laisser un peu les choses se faire. Ils me disent de profiter aussi. Profiter, faites d'autres choses. Oppression. J'allais dire angoisse et on me dit oppression. De toute façon, on va commencer à rencontrer un peu plus de gens, là. Là, je parle là, dans les deux mois et demi. On ne me montre pas non plus de 200 personnes, bien sûr, mais il y a 4, 5, 6 personnes nouvelles, ça sera sympathique. Alors, de connaissances comme cela, mais aussi un symbole professionnel. Et vraiment, amitié naissante. Oui. Ne gardez pas le chagrin en vous. Parce que plus je vous ai devant moi et plus le chagrin monte. D'accord? D'accord. Évacuez. Je vous remercie. Merci. Allez-y, je vous en prie. Au revoir. Elle a vu des traits de ma personnalité qui sont... Qui sont vrais, que je suis quelqu'un d'assez angoissé, qui prend beaucoup sur elle et qui va pas assez vers les autres. Elle m'a prédit que dans un an et demi, j'allais déménager et que d'ici quelques mois, je ferai quelques travaux de décoration chez moi. Donc, l'avenir nous le dira.